Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tales of Symphonia. Attention, il y a un méchant. Je l'ai vu. Ah, attention, il y a un méchant. Toi, t'es pas censé avoir de problème. Et voilà. C'est mieux. Mais bon, faut pas dire ah ah ah. Ça se dit pas ah ah ah. C'est écrit ah ah ah. Mais sinon, c'est un rire. C'est hi. C'est mieux. Bon, je sais que je me suis monté, mais à gauche. Non, mais là, continue. Ah oui, j'ai vu l'escalier. Ne t'occupe pas du monsieur qui mange les barres de fer. Mais oui, mais c'est très perturbant. Attention, Goumi. Attention à la lerve. À l'herbe. Voilà. Je vais en faire un différent à chaque fois. Mina. Tout le monde va bien? Ouais, mais pourquoi il y a autant de monstres dans ce temple? Ça fait partie de l'épreuve de l'élu. N'étiez pas au courant de cela quand vous avez décidé de vous joindre à elle? Bien sûr que si! Désolé, c'est de ma faute si vous êtes ici. T'en fais pas pour ça, on est là pour ramener la paix dans le monde. Ça, c'est dit que t'en as un numéro 1, pas vrai? Je t'ai dit d'arrêter avec ça! Ouah, plein de coffres, j'ai appuyé sur croix, mais ça voulait pas. J'ai trouvé une gelée de pommes. Je me suis bloqué dans le coffre. J'ai trouvé une fiole vitale. Ah, ça c'est bien. J'ai trouvé 250 flouzes. Merci. De rien. Bon bah c'est bon, tu peux partir d'ici. Il n'y a plus besoin de rester dans ce monde. T'étais pas obligé de faire le tour. Hein. Attention, il y a le golem. Il est toujours là. Même s'il n'y a plus de trou. Est-ce qu'il y a une chenille encore? Oh, il y a une tête. Ah! C'est bon. C'est fermé. L'anneau de sorcier va peut-être l'ouvrir. D'accord, je m'en charge. Eh bah non. Bah non, mais Colette, elle lui dit vas-y, Lloyd, utilise-le et puis elle le garde pour elle. Elle est terrible en fait. Oh, c'est tout ce que fait l'anneau de sorcier? Rien t'ennuie, toi. T'inquiète pas, Lloyd, c'est parce qu'il est niveau 0. Allez, regarde. Téléportation! Et hop, tu t'es agrandi en te téléportant. On dirait que c'est le dernier étage. Oui, voici l'hôtel. T'as ce qui brille, c'était donc le cristal de Cluxis? Trop bien. Oui. Il paraît que je suis née avec ça dans la main. Oh, regardez cette lumière! Oh! 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 C'est lui. Ah! Il est sans famille. Il s'appelle... Attends, il va le dire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est un ange. Alors celui le vrai père de Colette. Quoi, c'est pas Franck? Je suis Grémiel et je suis sans famille. Trop bien. Mais si, il a une famille, il y a Colette. Ouais, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, hein. L'heure est venue de réveiller la déesse Martel qui sommeille au centre du monde. Réveiller la déesse Martel? C'est comme les gens dont Rey nous a parlé. Quoi, je dis pour la énième fois, elle s'appelle pas Rey. C'est pas parce que dans la version... D'ailleurs, même dans la version japonaise, elle s'appelle pas Rey, en fait. Garde ses yeux. Ils sont beaux. Et hop! Un nouveau collier. À partir de ce moment, Colette devient l'élu de la régénération. Nous du Cluxis bénissons ce moment et consacrons la tour du salut à Sylvarent. Sylvaran. Le Varan. Le lézard. On est sur un sacré continent quand même. Regarde cette tour que tu vas devoir gravir. Mais c'est du spoil. Mais non, on est dans un RPG. Il y a un endroit, on va forcément y aller. C'est toujours comme ça. Sinon, pourquoi il serait là? Ça va être long, moi je te le dis. Ah bah elle est grande cette tour. Alors c'est vraiment la tour du salut. Le monde va être sauvé. Colette, élue de la régénération. J'ai oublié mon dialogue. J'appuie, hein, mais il se passe rien. Ah.
accepte simplement. Il a oublié son dialogue. D'ailleurs, du coup, ma Colette, elle lui dit, bon, non, t'inquiète, t'inquiète, je gère, j'accepte. Elle est cool, Colette. Ça va. Tu renaîtras sous forme d'ange, ce monde fatigué sera régénéré. Pourquoi tu continues de voler? Pose-toi. Parce que je suis un ange. Je joue sur ma vie de régénérer le monde. J'aime bien voler. Ah, je vole pas, je flotte. Il faut que tu prières dans ce temps éloigné. Et le saut du feu. Oui, Seigneur Rémiel. Oh. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes vraiment mon père? Bah d'abord au saut du feu, as-tu compris, ma chère fille, Coletto? Alors vous êtes mon vrai père? Moi je suis trop triste pour Franck là, du coup. Mais oui. Nous reverrons au prochain saut, ma fille! Regarde, je vais passer! Non, même pas, non, non, je me suis arrêté devant. Je me transformais, je deviens translucide. C'est une lumière qui brille. Oh là là, regarde, il a laissé des plumes. Il a laissé des plumes. Parler. Parler? Oui, tu peux parler à tes amis. Je n'arrive pas à croire que Rémi, elle soit mon père. Je vais bien, j'ai été un peu surprise, c'est tout. Alors, c'est la prophétie, j'aurais voulu que Rennes soit là. Mais je voulais parler à Kratos. Bon, j'ai pas envie de te parler, moi. D'ailleurs, pourquoi je suis devenu Lloyd? Parce que là... Je parlais à Colette. Là, t'étais à 4, tu vois. Enfin, t'étais toute seule, pardon. T'étais à 4. Et il est parti. Merci vous deux. Passez chez moi un peu plus tard, d'accord? Elle est partie. La rumeur disait donc vrai? Quelle rumeur? Que Colette est la fille d'un ange et qu'elle n'a pas vraiment de lien avec de parenté avec son père. Même s'ils sont pas unis par lien du sang, la famille c'est la famille. Du moins c'est ce que je pense. Je suis désolé. Bah t'en fais pas, va. La famille c'est la famille. Il a disparu. Alors, il n'y a rien ici. Ah, l'avis de Lloyd sur les gens, aux anges quand même. Non, les gens ont vraiment des ailes. Ouais, comme dans les écritures des fils de Martel. Mais tu sais, je suis sûr que ça doit gêner pour s'habiller. Hein? Peut-être, oui. Il faut penser à faire des trous dans ses habits pour laisser passer les ailes. Bah ouais, tu t'es jamais posé la question, je me demande si c'est pratique pour dormir, ça doit pas être facile tous les jours d'être un ange. Ils dorment debout. C'est pour ça que tu vois, il flotte. Parce que sinon c'est trop dur pour lui de se coucher. Ah. Il laisse trop de plumes quand il dort. Faudra demander à Colette quand elle sera devenue un ange. Merveilleux! Professeur? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Vous devriez être en classe en train d'étudier. Hein? Hein? Ah. Oh oh. Oh non mais non mais... Oh mais non mais non mais non mais... J'ai même pas envie d'appuyer, ça me fait trop mal au cœur ce qui va se passer. Je comprends même pas pourquoi ce qui va se passer va arriver. Je suis trop triste. Est-ce que je suis vraiment obligée? Voilà, c'est la fin du let's play, merci à vous de l'avoir suivi. Ah non, finalement t'as... Le pauvre génisse, il a rien fait. Non. Arrêtez. Elle a quand même de la force. Que quoi? Pour vous deux, j'espère que vous avez retenu la leçon, alors retournez à la maison. Il n'y a plus cours aujourd'hui. Et toi, tu fais quoi? Je vais te donner des fessées. Fedra m'a donné la permission d'étudier ce temple encore un petit moment. C'est rare qu'un citoyen lambda ait le droit d'entrer dans cet endroit. Ah. Qu'est-ce que c'était? Il vaut mieux pas le savoir. Hein? Fuyons! Oh bah après, bon, en même temps, là, Génisse, là, à mon avis, tu dois être à 1 HP, là, je crois, avec Génisse. Est-ce que tu penses que je dois encore chercher des coccinelles? Non, il y en aura d'autres. Le périple. Qui va faire Colette, maintenant? Peut-être que je lui ai dit de briser les seaux et après, elle se transformera en ange. Alors, Colette va quitter le village? Mais t'inquiète pas! À ce qui paraît. Oh purée, il y a plein de monstres! Donc, t'inquiète, ça va, t'inquiète, t'as pas encore les mobs là qui vont faire toute la map juste pour te tuer.
En fait, les plus louches, c'est ceux qui te regardent passer. Parce que au bout d'un moment, ils te foncent dessus, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qui leur est passé dans la tête, et pouf, ils veulent te tuer. Voilà, j'espère que tu es contente. Dans ta petite... Oh purée, elle se traîne la mamie là. Oh, elle a du mal la mamie là. Oh là là! Je ne pensais pas que je verrais la tour du salut de mes propres yeux. Merci, déesse. En fait, la tour, elle est apparue. Elle était pas là avant. Bah, faut croire. Regarde, là, c'est la maison de génie. La maison des génies. Là, ouais, t'as besoin de quelque chose chez moi? Non, pas vraiment. Moi, chez Colette, tu te souviens, arrête de faire le mariole. La maison de Colette se trouve dans le nord-est du village. Ah oui, c'est vrai, on doit aller voir Colette. Et est-ce qu'il le faut? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de rendre l'anneau du sorcier. On rendra Fedra. Dis-moi. Non. Mais on a eu du mal à la voir, ça peut faire de mal à personne si on regarde un peu. Allez quoi, s'il te plaît. Bien d'accord. On peut rien faire de répréhensible, mais pas vrai. Mais non, de toute façon on peut rien faire avec l'anneau du sorcier, il est pas assez puissant. Regarde là, pouf, pouf, fais de la poussière sur la madame. Ça lui a fait mal, du coup elle marche encore plus lentement maintenant. Alors, on va vraiment chez elle? Bah ouais. T'as pas envie d'aller chez elle? Je ne sais pas si je suis prêt. Mais si t'es prête. Mais si t'es prête. Nous confectionnons donc la protection de l'élu à Kratos et à Symphonia One. Je n'ai pas d'objection. Merci beaucoup pour votre aide tout à l'heure. Oh, vous revoici! Merci pour votre aide tout à l'heure. Veuillez accepter ce modeste présent. Le compendium. Voilà, on te donne un truc quand même. Alors, vous avez aidé la madame, vous avez aidé l'élu de la régénération, donc on va vous donner un manuel où vous répertorierez tous les items que vous avez obtenus dans votre vie. Bah, tu sais, hein, ils sont encore jeunes, alors la vie, elle est longue. Merci Fedra. Dites, vous parlez du péril pour la régénération du monde là, non? Hey. Ouais, je veux y aller, moi aussi, je veux voir Colette régénérer le monde. En plus, on a plus de prof, alors c'est bon. On y va, je veux y aller aussi. Non, vous nous gêneriez. Mais non, on est trop fort. Qu'est-ce que t'as dit? Les combats à la chapelle n'étaient rien comparé au péril qui nous attend. Les enfants doivent rester à la maison. Kratos a tout à fait raison. Sur ce, il nous reste des sujets à aborder. Vous devrez rentrer chez vous, tous les deux. Attendez! Ah, les marches étaient trop grandes. Désolée. C'est pas de ta faute? Oui, je suis désolée. Bah, peu importe. Et au fait, bon anniversaire, Colette. Hein? T'avais préparé des biscuits. Je t'ai préparé des biscuits. Si j'avais su que tu partais demain, je t'aurais cuisiné quelque chose d'un peu plus spécial. Mais... Ah non, j'adore les biscuits. Merci beaucoup. Et toi, Lloyd, t'avais promis de lui faire un collier, non? Oui, mais maintenant, elle en a un nouveau. Dis pas que t'as oublié. Ah, c'est presque terminé. Je te donnerai demain avant ton départ. Promis. Vraiment? Je suis si contente. Dès que tu saurais quand nous partons, je vous préviendrai chez toi pour te le dire. Est-ce que ça va être dangereux? Je suis l'élu. Tu n'as pas oublié? Tout ira bien. À bientôt alors. T'as vu, elle ferme la porte avec le pouvoir de son esprit. Menteur. Si je m'y mets maintenant, je devrais finir à temps. Ah oui? Non, en tout cas, tu rentres chez toi, non? On peut faire un bout de chemin ensemble. Bien sûr, mais tu vas où? Je vais voir quelqu'un. Ah ouais, je savais pas que t'avais des amis hors du village, à part moi. Je savais pas que t'avais des amis, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça fait? Dis, on peut passer par chez moi. Pour que je prenne mes affaires. Ah oui, t'inquiète pas. Oh purée, il y a le mari de l'autre, là. Il est là. Ce Kratos me met vraiment hors de moi. T'es encore furieux qu'il t'ait dit que tu serais un boulet pour lui? Je veux dire, je sais qu'il est fort, blablabla, mais... Je crois que ça m'ennuierait aussi qu'on ne me reconnaisse pas ma seule qualité. Qu'est-ce que tu veux dire par seul?
Comme Pierre meilleur ami, Génis. Ou comme Donald, en fait. Trop de similitudes, Génis Donald, moi je le dis. C'est pas grave, Lloyd Dissouver a d'autres amis, peut-être. Voyons voir, il devrait y avoir des ingrédients pour faire des sandwichs ici, genre du pain. Qu'est-ce que quoi, tu voulais prendre des ingrédients? Pourquoi ça a autant d'importance pour toi? Mais tu devrais prendre la cuisine au sérieux, Lloyd! On peut pas utiliser d'art de guérison, et il nous faut de la nourriture pour prendre des forces. Ouais, tu dois avoir raison, les jouets de pommes sont pas donnés après tout. Mais on en a après chaque combat de monstre, mais quand même, la cuisine c'est important. Est-ce que tu veux les explications de la cuisine? Ouais, vas-y. Ah mais non, c'est pas eux qui parlent, pour cuisiner, il faut disposer d'ingrédients requis, blablabla. Voilà, t'as obtenu des ingrédients pour faire des sandwichs. Trop bien, j'espère que j'oublierai pas d'en faire. C'est où la sortie? Ah. C'est là. Au revoir, maison de Génis. Garde le chien. Il est beau. Je sais même plus pour sortir si c'est vers le sud. Si, c'est là. Tout au sud. Continue là, et tu vois, il y a des gardes. Lloyd, fais quelque chose à propos de ce truc! Quoi? Mon animal, c'est cette créature. Noiché! Mais Noiché, c'est pas une créature. Couinement. C'est pas juste un animal. Couinement! C'est mon ami! Hé, combien de fois je dis de pas rentrer dans le village? Les villageois, ils ont peur de toi. Hé, hey, t'accompagne toujours au village, lui parle pas comme ça! Tiens, ça me fait penser, Lloyd, le maire m'a demandé de te poser une question. Merde, qu'est-ce qu'il veut? À propos de la forêt au nord-ouest que tu traverses, tu sais qu'il y a une ferme humaine sur le chemin, n'est-ce pas? N'est pas allé jouer près de la ferme, pas vrai? Bien sûr que non, pas vrai, Génis? Ah oui, bien sûr que non. Vraiment, si c'est le cas, alors ça va. Mais ce drôle d'animal! Combien de fois il va falloir que je te dise que Noiché, c'est un chien? Ah, pardon, mais c'est qu'il a pas l'air d'être un chien. Mais tu vois pas ses grosses papates, ses oreilles, son petit visage mignon. Bon, surtout qu'il s'approche pas de la ferme humaine non plus. On peut y aller maintenant, viens Lloyd. Soyez prudents tous les deux. T'inquiète, à demain. Allez, on y va, Noiché. Couinement. En fait, Noiché, pourquoi est-ce que tu essayé d'entrer dans le village? Il devait sûrement te chercher. Tu crois? Mais non, moi je sais pourquoi. Non, je rigole. Ah... Au revoir. Pourquoi j'ai pas le droit de partir à la J'avoue, je sais pas ce qui se passe si tu vas loin en fait. Si t'essaies d'y aller. Attends, tu veux essayer? Bah vas-y. Va vivre ton aventure. Finalement. Au revoir, Isselia. Après tout, hein, y a pas besoin de raison pour s'en aller. De toute façon, y en a pas vraiment. Hein. Bah le problème, c'est que c'est loin de marcher. J'avoue, tu peux aller loin du coup. Oh. Et voilà le mob. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? T'as rage kit. Mais c'est parce que l'œil il se déplace trop lentement. C'est trop long le chemin. Trop loin. Et puis c'est dangereux. Il y a des monstres qui apparaissent. Regarde lui va te sauter dessus. Allez voilà, et hop. Mina, Bouska. Faut pas mourir Lloyd. Puis tu vois sur son image il a l'air cool et tout alors que... Yeah. Non, j'ai oublié de cuisiner. Fouinement. Hein? C'est vrai, Noiché aime pas cet endroit. Il s'approche jamais des endroits où il y a beaucoup de monstres. Même si on voit très rarement des monstres plus grands que lui. Bah, il s'est encore enfui, très bien, fais comme tu veux. Je peux pas m'empêcher de penser que s'il s'enfuit, il pourrait au moins nous emmener avec lui. Mais c'est pas grave, hein, pas besoin de Noiché. Est-ce que tu voulais attaquer le petit chien en bas? Mais non, de toute façon, tu te feras attaquer par d'autres mobs. Regarde lui là par exemple. Mais oh, non, je suis trop rapide pour cette plante. Incroyable, va à gauche. Il y a des trésors, je crois. Des smacks. Mais je le touchais même pas. Au revoir. On dirait que je me suis fait toucher par ta fireball alors que c'est la guerre, bien sûr. Non, je veux pas fuir, je veux soigner Lloyd Irving. Mais j'ai pas besoin d'être soigné, regarde, je suis trop fort. Ah, ah mais j'ai quand même fui au final. Bien, on a été remboursé. L'ami de Génis, c'était le petit chien. Ah oui, l'ami de Génis. L'ami de Génis. Alors, qui est ce mystère ami que nous allons voir? C'est celui auquel tu lui donnes ton goûter? Quoi, tu le savais? Je te vois toujours cacher de la nourriture dans mon cartable. Oui, elle n'a jamais rien à manger, alors je fais ce que je peux. Vraiment sympa, Génis, c'était gentil de partager le peu que nous avons. Ah, c'est rien! Ne sois pas si modeste, je suis sûr que ce chien est très sympa. Ce chien?
Hein? Un chien? C'est pas un chien, c'est une humaine! Hein? C'est vrai, j'ai toujours cru que tu cachais au professeur que t'avais un chien? Ouvre l'œil, il se fait gronder alors que... Ah ouais, va falloir que je change. Je m'arrête là! À la ferme des Desirians? Qu'est-ce que c'est? Les Desirians ont déjà attaqué le temple. C'est pas faux. Je crois que t'as raison, mais... Je sais que je devrais pas, mais il y a quelqu'un à qui je dois parler de la prophétie. D'accord, mais ça m'inquiète que tu ailles tout seul, alors je viens avec toi. Je suis sympa, on est les meilleurs amis après tout. On va se soigner et on va sauvegarder parce que c'est dangereux. Il y a peut-être un Gattuso derrière. Toujours. N'oublie pas la mission secrète du Gattuso surtout. J'avoue, il y a des missions secrètes aussi ici. Non, il n'y a que dans Vesperia qu'il y a des missions secrètes. J'avais oublié. Poum, poum. Poum, poum, poum. Pourquoi le monsieur est... Pourquoi ? Le caillou ? Regarde ! Autour du monsieur ! Là, il est en train de pousser le caillou ! C'est blanc ! C'est parce qu'il est magique. Il est magique. Est-ce que tu crois que si j'attends assez longtemps, les cailloux là-devant, ils vont disparaître ? C'est pas le moment de se reposer, vermine ! Regarde, les autres sont déjà loin. Faut se cacher. On va marcher un peu plus vite, quand même. Bon, allez ! Oh ! Des gens travaillent, c'est bien. Moi, je vais aller là-bas. La grand-mère sorcière. Marbelle ! Genis ! Is that your friend ? C'est ton ami ? Ouais, je suis Lloyd. Enchantée de te rencontrer. Marbelle, t'as vu ? Il y a une prophétie ! Oui, j'ai vu la tour du salut. Le périple de l'élu pour régénérer le monde peut enfin commencer. J'espère qu'il réussira cette fois. Le dernier élu a échoué, n'est-ce pas ? Oui, il paraît que l'élu a été tué par les Desirians durant son périple. Je me demande si tout ira bien pour Colette. Prions Martel, qu'elle guide l'élu et la protège dans son périple. Hé, mamie ! Elle s'appelle Marbelle. Marbelle, est-ce une expire ? Ah, ça s'appelle comme ça ! Ils l'ont placé sur moi peu après mon arrivée ici. Ouais, c'est sûr que c'est une expire, mais elle n'est pas certie. Une expire sans certi-clé, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est, un certi-clé ? Pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Je crois que placer une expire directement sur la peau la rend malade. Et ironiquement, elle ne sert à rien si on la place pas sur la peau. Donc pour qu'elle ne te rende pas malade, tu te graves un sortilège dans un minerai spécial. Et tu utilises cette monture pour l'expire, c'est ça un certi-clé. J'en sais des choses, dis-moi. On dirait que l'expire de Marbelle n'a pas du tout de monture. Non, elle a pas l'air. S'il suffit de graver le sortilège, je pourrais le faire moi-même. Mais sans le minerai inhibiteur que sert de monture, je peux rien faire. Tu vas pouvoir faire quelque chose, Lloyd. C'est pas si facile que ça, les certi-clés sont une spécialité des nains. Mon père est un nain. Demande-lui de l'aide, s'il te plaît, Lloyd. Alors. T'es gentil avec Genis ou pas? Bah oui. D'accord, je vais lui demander. Super! C'est ça, le Lloyd que j'adore. Ne te donne pas tant de balles. Hey, vieille sorcière, qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que c'était une sorcière. Oh non, les Desirians! Épousant, vous deux, vite. Mais... Mais ils vont là. Mais que pouvons-nous faire? Si les Desirians nous trouvent ici, pense tout ce qu'ils pourraient faire à Marbelle et aux villageois. Il a raison, vous devez partir. You must go. Désolé, grand-mère. C'est pas grave, j'ai l'habitude de me faire fouetter. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'as dit de te reposer, remets-toi au travail. Je suis désolé. C'est quoi ce regard, hein? Je vais te battre? Nous avons un problème d'attitude ici. Et non, je... Ah, ferme, vous deux. Amenez-la derrière, on va lui apprendre le respect. Avec nos fouets. Ouais. Oh,
Oh non, ça ne dit rien qui va, il l'emmène à l'arrière. Mais que faire? Il doit bien avoir quelque chose à faire. Ouais, un endroit en hauteur d'où on peut voir ce qui se passe. Oh, je me suis coincé dans un arbre. C'est dommage. On va passer par l'entrée. Hein. Non? Non, non, ça, ça s'ouvre pas, t'as pas la clé. Bon bah tant pis. C'est dommage. Hein. On devrait pouvoir monter par là. Qu'est-ce que la touche action? L'information affichée dans le coin inférieur droit indique l'action que peut effectuer le joueur. Sauter. Quel saut? Sauter. Quel saut? Alors gauche ou à droite? À droite bien sûr. Quel saut? C'est jamais la gauche qu'il faut prendre. Descendre. Sauter. On dirait qu'on peut aller là, mais en fait on peut pas. Bon bah ça va, lui il rate. Hein. Je sais pas. Ça va, il y en a qu'un qui touche. Et nous devons la sauver. Mais comment? Mais t'es un magicien, génie. Fais des boules de feu. Toi t'attaques le design ici avec la magie. Quoi? Mais ça va nous attirer des ennuis, non? Non, pas le choix. Ensuite tu devras te cacher dans les buissons et repartir au village. J'avirai d'appât. Tu seras dangereux, en danger. Ne t'inquiète pas, je descendrai le ravin et ils verront pas mon visage, puis j'irai dans la direction opposée à celle du village. D'accord. Tu devrais reprendre des forces avant qu'on fasse ça. J'avais des biscuits pour Colette, il m'en reste. Prends-en. Quoi, tu lui as pas tout donné? Bah non. Boule de feu! Bam bam bam! Qu'est-ce que... Ah! Arrêtez-le! Ouvrez la porte principale! Faut plus un marble. Fuis par ici! Genius, Lloyd. Merci. T'as rien, mamie. Hein? Non, Genius! Hein? Oh! Aouh! Qu'est-ce que c'était? Oh oh. Hein? Espèce de sale gosse! Ah, désolé, hein, y'a que moi qui me bat. Je voulais faire ça plus tôt, mais c'est pas grave. J'ai pas de nourriture, moi, alors. Ouch! Mais bon, t'en as tué un! C'est pas ce côté-là. Hein. Ah, le pauvre, il se prend des estocades soniques dans la tête! Enfin, dans le cœur même. Ah, j'ai essayé d'en faire une autre. Pas mal, pas mal, hein! Allez, on va faire un sandwich pour fêter ça. Oh là là, trop bon le sandwich de Lloyd. Rut, ils ont vu mon visage. Il a sauté. Cours, Genius. Regarde Lloyd, il saute. Il saute. Il saute. Incroyable. Lloyd, ils ont vu ton visage. Je m'excuse, tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais... Je me suis occupé de ceux qui m'ont vu et les autres sont encore en haut du ravin. Si on se dépêche de partir d'ici, ils sauront jamais. Ok. Mais, simplement mes devoirs pour moi, ok? Très bien, je vais rentrer à la maison. Toi, tu devrais aller au village. Merci d'avoir aidé Marble. Hey, les amis, c'est plus pour ça, non? Oh, 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 quel jeune homme intéressant. Analyser les données du système de surveillance de l'entrée. Ouais, chef! Comment un simple humain a-t-il pu faire un saut pareil? Je suis l'équipement de Genius. T'as vu, il est gentil, il t'a donné son bilboquet. Bah, du coup, je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ce combat a épuisé l'œil, le pauvre. Bon, bah, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour une prochaine partie de Tales of Symphonia. Au revoir tout le monde!